Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Je fais le tour du monde et j'en suis convaincu. La terre est bien plus ronde que le monde qui vit dessus. La terre est plus ronde que le monde qui vit dessus, mais Annie Bussière n'est jamais plate. Et... ça y est, wow. Je l'ai déjà fait décrocher. Non, pas du tout. Ah, ah non, on va falloir se travailler plus fort que ça. Annie Bussière, bonjour. Salut. On t'a donné comme mission de lire... Ben, t'as deux livres pour nous aujourd'hui. Le premier, c'est que quand j'ai vu cette parution-là, j'ai dit, c'est pour Annie Bussière, c'est sûr. L'affaire Body Bussière. L'affaire Body Bussière. Et je dois aussi dire, en toute honnêteté, que j'adore la littérature pour enfants. Oui. Enfants puis jeunes ados. Je trouve ça le fun, il y a plein de beaux messages, puis généralement, c'est vraiment très bien fait. Mm-hmm. Ben, celui-là, il est fait chez La Courte Échelle, puis oui. Ça a donné dans les dernières années que j'en lise quelques-uns des romans pour ados publiés encore chez La Courte Échelle. Je veux dire, quelque chose qu'on n'a pas fait depuis qu'on a 10 ans, là. Mais de me rendre compte que c'est toujours bien fait, puis qu'il y a des livres qui sont fichtrement bien fait, puis qu'on se fait avoir, puis qu'on embarque, puis c'est des très Annie bons Bussière livres. Annie Bussière est devenue bodé-bodé avec Body Bussière, je peux vous dire ça. Non, honnêtement, c'est super sympathique et pour les enfants et pour les parents aussi, parce que côté des parents, il y a quand même un petit fond de critique sociale dans ce bouquin-là. Et pour les enfants, c'est que les jeunes protagonistes sont une équipe d'impro là, dans une école secondaire, c'est que sont ratoureux, les petits maudits. Oh, pelin! Fait que j'imagine qu'il y a des enfants qui vont prendre ça puis qui vont se dire, OK, semaine prochaine, ça va passer par là, à l'école. Grosso modo, l'affaire Body Bussière, c'est qu'à un moment donné, les jeunes et le personnel de l'école arrivent justement à l'école au début de la semaine. L'histoire se passe sur 5 jours, lundi, vendredi. Et on découvre que Oscar, le squelette du local de science, a disparu. Oh, oh! Alors là, évidemment, la directrice adjointe, Nathalie, décide d'enquêter. Alors, elle va faire des entrevues avec les jeunes, parce que déjà, elle avait aligné une certaine clique, une certaine gang dans l'école, qu'elle s'est dit, c'est clair que c'est eux. Comme de fait, c'est eux. Bon. Ça, c'est même pas du divulgachage, parce qu'on sait dès le départ, c'est ça qui est sympathique. Alors, elle commence à faire des entrevues avec ces personnes-là, ces jeunes-là, fait des entrevues aussi avec des professionnels de l'école, parce que veux pas, ces jeunes-là ont eu de l'aide. Et tout le long de l'histoire, ça alterne entre les textos que les jeunes s'envoient pour préparer leur stratégie, pour s'assurer d'essayer de repousser le plus possible le moment bulle de lumière de la directrice adjointe. Et ensuite, ben, t'as une recension des entrevues que la directrice mène avec les professionnels de l'école. Est-ce que c'est bien intégré, les textos? Des fois, dans les livres, c'est bizarre. Je dirais que ça ajoute à l'histoire et que ça sort pas de nulle part. Okay. C'est comme si c'était un chapitre, effectivement, c'est toujours un chapitre entretien avec un professionnel. Après ça, petit chapitre sur échange de textos. Et honnêtement, contrairement à d'autres livres dont on a parlé la semaine dernière, ben, c'est que ça fait avancer l'histoire. Mm. Bon. Ceci dit, honnêtement, c'est fantastique. Et à la fin, je vous cacherai pas que c'est probablement la section que j'ai préférée. Faut que je fasse attention, je veux pas faire de divulgachage, mais à la fin, vous avez une espèce de petit dossier avec les dessins. Dessins, je me permets de donner le nom de l'illustratrice. Elle est fantastique, Mathilde Philippi, qui nous explique en dessin ce qui est finalement arrivé à Oscar, le squelette du local de science, pendant cette semaine-là. C'est vraiment cute. Ceci dit, comme je vous disais, vos jeunes ont 9-10 ans, c'est le temps de leur mettre ça entre les mains. Ils vont rigoler leur vie. Vous allez trouver aussi, comme je vous disais, certaines petites critiques sociales sympathiques pour les parents. Et les dessins sont le fun aussi. Ça se lit tout seul. Ça a quelque chose comme même pas une centaine de pages.
Et ça a été écrit à 8 mains. Oui, hein? Oui, effectivement. 4 personnes qui ont l'habitude d'écrire des trucs pour la jeunesse. Alain Bergeron, François Gravel, Martine Latulippe et Joanne Mercier, comme je vous disais, avec les dessins de Mathilde Philippi. Et ce qui est le fun aussi, malgré le fait que c'est relativement court et qu'on découvre les jeunes uniquement au travers des échanges de courriels, c'est que chaque jeune... on voit poindre sa personnalité propre. Il y en a qui sont un petit peu plus introvertis, il y en a qui sont vraiment go, go, go. Ah, c'est pas grave si on a une retenue ou si on a des devoirs supplémentaires. Go! On y va avec Oscar. Alors, c'est vraiment représentatif de où chaque jeune est rendu dans son parcours de vie au secondaire. C'est vraiment très sympathique. L'affaire Body Bussière. Chez La Courte Échelle. On lit, si on t'a bien compris. Ah, oh, ben oui, absolument. C'est du bonbon, là. Ça, c'est du bonbon. Voilà.